Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Une première victoire pour le boxeur Mervyn Clair. Il s'est imposé 5-0 face au Canadien Wyatt Sanford chez les moins 69 kg. Direction les huitièmes de finale où il affrontera le Jordanien Ziyad Yashash. L'haltérophile Roalia Ranaivosu termine à la 11e place chez les moins 49 kg. C'est la chinoise Ziyu qui s'est imposée dans cette épreuve. Objectif, décrocher une médaille pour les prochains Jeux du Commonwealth, nous dit l'haltérophile. Le haut commissaire de Maurice Maputo, foudroyé par la Covid-19, Jean-Pierre Jamon, est décédé ce matin au Mozambique à l'âge de 59 ans. Son rapatriement à Maurice n'est pas confirmé pour l'heure. Deux élèves du couvent de Lorette de Quatre-Bornes testés positifs à la Covid-19. Il s'agit de deux sœurs qui ne sont pas dans la même classe. L'établissement scolaire fermé ce lundi. Un an après le naufrage du Wakashio, Résistance et Alternative envisagent de faire un procès à la société japonaise propriétaire du vraquier. Une décision motivée par le manque d'action du gouvernement au cours des 12 derniers mois. Rehab, Valerie, Back to Black, des titres que les fans de musique ne sont pas prêts d'oublier. 10 ans après la mort, les fans d'Amy Winehouse lui rendent hommage. Un documentaire de la BBC révélé. Elle vit cette aventure avec son compagnon en temps réel, même à des milliers de kilomètres. Une grande joie pour Stena de savoir que Mervyn Clair a été qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire face au Canadien Wyatt Sanford à Tokyo. Le boxeur affrontera donc lors de son prochain match le Jordanien Keyad Yashash. Stena a suivi son combat en direct accompagné de leur fille ce matin et après le combat, ils ont pu converser. Le boxeur a dédié sa victoire à sa grand-mère qui est souffrante. Sa victoire là, aujourd'hui, il dédie ça à son grand-mère qui est un petit peu souffrante. Ce qu'il dit à moi, c'est le premier du monde qui porte à son rêve. Mais elle, je fais envie à l'Olympique. Et à chaque fois, quand je fais rentrer, depuis le tout début, quand la main je fais casser, c'était son grand-mère qui est là comme si pour aider. Donc, dit à moi qu'il dédie sa victoire là de tout cœur à son grand-mère. Nous nous retrouvons à la live et c'était bien. Au fait, c'est ce qui me motive à atteindre parce qu'il travaille plus ça. C'était un sentiment de, comment dire, de peur un petit peu, mais aussi de joie parce qu'il me trouvait qu'il met tout. Parce que c'est ce qu'il dit à moi avant d'y aller. Depuis qu'il est sorti de la case, tous les jours, depuis le confinement, l'entraînement et tout, depuis que j'ai dit à maman, je peux aller, je peux dire ici. La dernière fois, je ne pas bientôt, mais là, je peux essayer de faire de mon mieux. Mais c'est ce qu'ils m'ont trouvé. Au fait, je suis extra content vu qu'il est vraiment l'un de ce mieux. Et qu'on va aller à 5-0 et plus bon cours. Mais dans pas beaucoup de temps, quand ils confirment sa qualification, ils remettent l'entraînement. Du coup, les types une fois par jour. C'était le matin. Mais tu fais plus long. Ma session est assez longue. Quand il est venu, il trouve sa partie calo se figure, mais il décide pour donner tout et il peut donner tout. Donc, tenez à aller pour apporter une victoire, c'est sûr, mais j'espère que tu continues de donner le meilleur de toi-même, pareil comme tu dis aujourd'hui. Et c'est sûr qu'il y a une grande victoire. Et la petite Elia avait également hâte de parler à son papa. Bonjour!
bonjour papa. Ça va? Bonjour papa. Quant à Mervin Clerc, il dit être concentré sur son objectif. Ce dernier, qui vise le podium, reste positif. Tout d'abord, je voudrais dire que mon content de performance et mon entame mon combat avec beaucoup de sérénité. Et je voudrais dire que mon approche de performance et que mon gagne mon EPL au ring aujourd'hui parce qu'il y a un bon bout de temps, puisqu'il y a un an, puisqu'il y a un demi qui ne peut pas mettre pied au ring international, qui ne peut pas gagner mon format international. Et si je concerne mon prochain combat, je peux rester toujours concentré, le mon objectif qui est là. Tout peut arriver de compétition. Sinon, mon reste positif et concernant mon plan technique et tactique, c'est entraîneur national du Tex Basile et DTN Robert Ibanez Chavez qui pour consulter moi après. Mais sinon, quant à moi, mon reste toujours concentré mentalement, moralement, mon reste fixé mon objectif et voilà. Je connais le combat là est difficile, mais rien n'est pas impossible. Allez, mon reste. Une victoire bien méritée, confie son entraîneur Judex Basile, mais le boxeur n'était qu'à 75% de sa capacité, souligne-t-il. Il y a une victoire qui m'est inconfortable. C'est pas une victoire à l'arraché. Mais quand même, il y a une des choses qui peuvent marcher pour moi, bien. Quand il est capable de maintenir sur la boxe, sur la sécurité, ça lui vient un petit peu le manque de combat. J'ai tout un premier combat quand il a beaucoup de stress. Là, nous trouvons qu'il y a 75% sur capacité, pas de tout. Et ce qui est plus intéressant, c'est la victoire. Et espérons qu'il, de match en match, il peut évoluer parce que là, c'est bien monté d'un cran, puis aller où bien monté. Bien reposer, nous, la tête bien chose et nous répondre comme ça. Et on reste à Tokyo. Pas de chance en revanche pour l'haltérophile Roalia Ranaivosu qui a pris la 11e place chez les moins 49 kilos aujourd'hui au Forum international de Tokyo. Elle a soulevé la barre à 73 kilos à l'arraché et 91 kilos à l'épaulé jeté pour un total olympique de 164 kilos. 14 participants étaient en lice. La chinoise Ziwiyu s'est imposée avec un total olympique de 210 kilos devant l'indienne Chanu Mirabai. Ces mots dévoient en tant qu'athlète et citoyen mauricien aussi, en tant que représentant mon pays, disent un grand merci pour votre soutien, pour votre support et aussi pour tout l'amour, l'encouragement qui se tient de moi pendant mon préparation et tout au long de l'année qui me fight pour me gagner mon qualification olympique, pour me venir là aujourd'hui et pour qu'il me fasse une compétition. Certes que je pas faire mon best performance dans ce jeu-là, donc la tête là, mais l'écho pas me répondre, me fight jusqu'au dernier moment. Après un an, on reprend la compétition. Il n'est pas vraiment, vraiment dans la qualité, l'ensemble qui me tient envie d'un jeu. Mais on fait ce que je peux avec le peu de ressources qui m'ont gagné pour me préparer moi pour cet événement-là. Donc, mon prochain arrêt, il est pour les championnats du Commonwealth. Si nous pour viser un road qualification, mais mon plus grand objectif de l'avant, c'est un road et notre médaille pour le jeu du Commonwealth. Le haut commissaire de Maurice Maputo, Jean-Pierre Jamon, terrassé par la COVID-19. Il est décédé ce matin au Mozambique à l'âge de 59 ans. Nouvelle qui nous a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères. Alan Ganou explique que cela fait une semaine que Jean-Pierre Jamon a été testé positif au coronavirus et que son état de santé s'est empiré au fil des jours. Alan Ganou soutient que son ministère veut respecter la volonté de la mère du défunt pour rapatrier la dépouille vers Maurice, mais que pour l'heure, rien n'est confirmé quant à son rapatriement. C'est avec beaucoup de tristesse et de peine qu'il nous fait apprendre cette triste nouvelle-là, le décès de Jean-Pierre Jamon. Il y a une semaine, il nous fait apprendre qu'il est une COVID-infected et qu'il est admis dans l'hôpital à Maputo, qui s'appelle le Landmed Hospital. Au fil des jours, nous venons réaliser que cette situation est aggravée. Vous connaissez, nous sommes discutés de ce cas tous les jours dans le COVID Committee, à level COVID Committee, quand le Premier ministre est présidé. L'état est aggravé et nous faisons comprendre que le niveau de
d'oxygène dans ce tissu, tu peux baisser, tu peux explorer la possibilité. C'est pas nous qui vient qui est transféré en Afrique du Sud ou bien repatrié à Maurice. Mais d'après les conseils de mon médecin qui se fait traiter, nous avons le conseil de ne pas bouger, c'est peu trop risquant si nous sommes allés depuis dans l'hôpital quand tu étais. Finalement, l'équipe commence à gagner des difficultés respiratoires, l'équipe n'est presque pas capable de causer. Mon médecin tient un tube lit tout et finalement, donc, il arrive la tragédie. Deux élèves du couvent de Lorette de Quatre-Bornes testés à positive à la COVID-19. Il s'agit de deux sœurs qui ne sont pas dans la même classe. L'une est en grade 11 et l'autre en grade 12. L'école est fermée lundi, le temps de la désinfection. Et le supermarché de Dream Price de Souillac est fermé temporairement pour un exercice de désinfection après qu'un cas positif à la COVID-19 a été recensé au sein de la société. Un employé a été testé positif hier. Il s'agit d'un habitant du village de Batimaré, situé dans le sud, âgé d'une vingtaine d'années. Trois employés qui ont été en contact direct avec ce jeune homme ont été placés en quarantaine. Le supermarché rouvrira ses portes demain. L'entente de l'espoir réclame l'abolition immédiate de la nouvelle taxe de 2 roupies sur le carburant. À propos de Xavier Luc Duval, le leader du PMSD, affirme que plusieurs secteurs sont touchés. Xavier Luc Duval, Paul Béranger, Nan de Bouda et Rocher Badin animaient une conférence de presse ce matin. À part lui, la dépréciation de la roupie n'a fait qu'aggraver la situation, affirme le leader de l'opposition. L'entente de l'espoir réclame l'abolition immédiate de sa nouvelle taxe qui fait mettre l'eau, l'essence de 2 roupies et l'eau diesel de 2 roupies. Il représente des centaines de millions de roupies qui peut prendre dans la poche des consommateurs. Et il a affecté tous affaires. Ils sont transport public, marchandales, pourri, tous affaires affectées par l'augmentation de l'essence et du diesel. Donc, il est clair que si le gouvernement vraiment envie de faire quelque chose, première affaire, c'est abolir le taux lui-même qu'il vient de faire avec la nouvelle taxe sur l'essence, qui est déjà fortement taxée. Et la seconde chose qu'il nous besoin de dire à nous, que n'importe quel économiste peut dire à nous, que si la roupie s'est dépréciée, c'est parce que l'économie mauricienne a genoux. Et ça depuis avant COVID, parce que dépréciation depuis novembre 2019. L'économie mauricienne a genoux comparée à n'importe quelle autre économie, et surtout ça va en économie quand nous la roupie peut déprécier terriblement. À la suite, après la pause pub. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Spices, présent plus qu'il s'entend dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en Saban Savella. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban type prix et dans tout ban supermarché et la boutique près Cotou. Eagle Brand, the spice master. Une pause pour la mer. Avec qui fait ou bisa gâte sous beauté. Beaucoup de monde trouve plus facile pour débarrasser de saleté que de envie au lieu de servir une poubelle. Sa comportement égoïste là, ce ban conséquence bien grave pour nous ban la place.
Saleté attire les chiens errants, les rats, et ça capable de créer toute qualité maladie. Quand divan pousse saleté vers la mer, ça capable tout ban poisson et les autres animaux marins. Ban la place d'île Maurice pour défigurer. Touriste, poire de vin côte nous et poisson pour disparaître comme à dodo. Maurice, c'est nous la case. À nous sens nous mentalité et God nous l'environnement propre. Te content Maurice, respectez-li. Te content Maurice, God-li propre. En l'initiative ministère l'environnement, la grande famille du tourisme et l'Union européenne. Nous tout content faire ban ti sorti. À le restaurant, manger ti manger, entre famille ou soit camarade. Et comment on connaît, et n'a toujours sa du monde qui bien content manger là. Zistement, Panarotti invite vous dans tout ce ban restaurant pour se offre spécial pasta à volonté. Tous les mercredis, à 185 roupies pour enfants et 295 roupies pour adultes. À partir de 18h jusqu'à 21h. Pas oublier, tous les mercredis, côte Panarotti, pasta à volonté. Préqué gourmand, préqué croquant, préqué irrésistible. Préqué votre tablette de chocolat carré carré. Problème de communication dans la campagne de vaccination. Propos de Nina Ramdeni du mouvement patriotique face à la presse cet après-midi. La secrétaire générale du parti explique qu'il y a des personnes qui ont peur de la vaccination faute d'une bonne communication. Nina Ramdeni évoque également des personnes anti-vaccination qui sèment le doute avec des fausses informations. Vaccination est un gros problème en ce moment. Nous trouvons que communication li mal fait et même si li fait, li mal reçu. Et une inefficacité flagrant leur communication. Nous bizin, moi mo pas un expert en communication et mo tcha content qui le gouvernement ressaisit à lui. C'est vrai que vous, en tant que la presse, je te fais beaucoup, mais c'est quand même le gouvernement qui vise à faire le nécessaire. Parce qu'ils ont un autre outil. À nous cause le manca. Tous les jours, nous pétons un manca qui peut augmenter. Nous avons 134. Mais nous disons qu'ils nous besoin vivre avec. Nous pas besoin créer une psychose autour du manca. Manca, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont une infection, ils sont contaminés. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui nous-mêmes pas connaissons qu'ils sont positifs, et nous pouvons arriver à une immunisation, une immunité collective. Tôt ou tard, nous pouvons arriver là, et tout le monde a besoin d'attendre qu'il nous fasse ça, nous arrive ça. Et dans toute infection virale, il n'arrive ça. Mais seulement, la vaccination est là pour aider nous dans ce but-là. Il y a des gens qui sont anti-vax. Anti-vax, ça veut dire qu'ils sont contre complètement la vaccination. Et il y a des gens qui sont doutés. Mais malheureusement, les fake news qui peut sortir à travers sa communication massive de sa anti-vax-là, connaît les gens qui sont contents de ça. Ils sont contents quand ils ont gagné peur, on dirait. Mais non, nous devons arrêter. Nous devons arriver à arrêter Saman anti-vax là. Nous, au mouvement patriotique, nous n'écrire l'OMS, qui est représentée par le docteur Laurent Moussango. Nous n'écrire l'île dans la semaine et nous attendons qu'il donne nous une réponse pour diluer, pour enlever tout mon doute qui est non. Et à ce moment-là, nous pouvons les autres connaître qui réponse qu'il y donne. Résistance et qu'Alternative envisage de faire un procès à la société japonaise propriétaire du Wakasho. Ce parti de gauche a retenu les services de Denton International, firme spécialisée dans le droit maritime. Selon Ashok Soubron, leur décision est motivée par le manque d'action du gouvernement au cours des 12 derniers mois, notamment s'il s'agit de s'assurer que les personnes touchées par la marée noire reçoivent une compensation adéquate. Et l'État a 12 mois
de cet événement-là, d'une faute. Et il y en a encore 24 heures, au moins, pour dire qu'il est pour faire. Est-ce que l'État mauricien pour faire une réclamation? Est-ce que l'État mauricien pour poursuivre Wakasho, ce propriétaire, sur l'assurance et autres institutions qui appropriées? Et s'il est pour poursuivre, quand et combien il peut réclamer? Ça qui est la question que tout bon mauricien peut demander. Tout bon habitant de la région, les sites peut demander, est-ce qu'il est à pour poursuivre, et si vous poursuivez, combien? Réclamation. Selon l'information qui nous, le travail, pays n'a aucune limite réclamation. Correct? Tout dépend qui vous présentez comme claim. Soit dans la Cour de justice locale, soit dans la Cour de justice internationale. Étant donné que l'État peut tergiverser l'eau la question, est-ce qu'il peut faire claim en tant qu'État, est-ce qu'il peut rendre une poursuite dans une instance appropriée sous la Convention des Nations Unies? Résistance et alternative, nous peut déclencher, nous de nos côtés, une procédure pour rendre un case de réclamation vis-à-vis batteux abonnés et sur l'assurance. Plus qu'il y a 2500 du monde de sa région-là, il mandate résistance et alternative, il mandate comité qui met du bout là-bas avec tout ce bon organisation pour faire entamer une action légale. Nous finissons bien pendant un an qui n'arrivait, qui maniait l'État inazir et avec tergiversation de l'État, la question de la poursuite et réclamation qui vise à faire, nous peut appeler, nous pour organiser une action légale, que ce soit au niveau international, le Maurice, dans la Cour Maurice, et nous finissons en gaz. Denton International, cabinet Denton International, pour entamer cette action-là. Nous sommes en phase de préparation. Nous connaissons qu'il y a une case comme ça, pas pour aller dans un jour, pas pour aller dans un an, il est capable 10, il est capable 13, il est capable 15 ans. Mais nous pensons qu'il est nécessaire rendre sa qualité case-là. Pour bons enfants qui peuvent venir, pour générations à venir. Mais aussi, dans le cadre d'une campagne, l'eau, prolifération, ben, forme l'énergie fossile qui peut détruire la planète. Dans le cadre d'une campagne pour protéger l'océan, qu'ils ont dit en crise, non seulement avec le changement climatique, mais avec la dégradation qu'il peut trouver dans l'océan. Et il y a une caisse qui nous peut demander à Mauricien de participer pour une génération à venir. Et 10 ans depuis, Kimi Winehouse n'est plus les fans de la star connue pour sa voix grave, sa coiffure rétro et son mode de vie rock and roll ont fait le déplacement jusqu'à Camden, quartier du nord de Londres où elle a habité pendant des années. Les parents de la star décédés le 23 juillet 2011 par l'alcoolisation massive ont participé à la réalisation d'un documentaire de la BBC diffusé vendredi pour l'anniversaire de sa mort. Reclaiming Amy donne selon son père une image plus complète d'Amy. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. Dundan Sakozela, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free.
and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand l'easy, tout roule facile. Tu gagnes les tomates, chili pieds, le gros pied. Avec APSA, Digi Account, manière qui te fait banking, vin extra easy. Parce qu'il te capable faire banking, quitte la case, ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec APSA, Digi Account, te gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot, les amis, Digi Account, c'est un banking self-service. Que te fait tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Ouvre ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, n'est qu'active les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant, dégazé à l'eau, APSA Bank. PMU, ouvre ton APSA Digi Account. Ton compte online. Easy, my friend.